Salga la louche. Il a mis fin à la vie de sa femme après un ultimatum. Cet homme en a fini avec sa femme d'une manière atroce, car elle lui avait posé un ultimatum. Il pensait que son crime serait parfait, et a réussi à tout cacher pendant presque une année. Cependant, tout n'allait pas se passer comme il l'avait prévu. Ella es querida, es más, se hacía querer por todos, ¿no? Personas que la trataba, personas que se enamoraba de su personalidad. Siempre, todos los días nos decíamos cuánto nos amamos. Rafael et Maria se sont rencontrés en vacances et le coup de foudre fut quasi immédiat. Ils se sont très vite mis ensemble et se sont même mariés quelques mois plus tard. Le jeune homme vivait très modestement grâce à sa carrière d'artiste, sa femme le soutenait beaucoup et elle était même apparue dans l'un de ses clips. Mais si tout paraissait parfait entre eux, les coulisses étaient bien plus sombres que ce que tout le monde pouvait imaginer. Même si elle était toujours là pour lui, Maria était très fatiguée de voir que son mari ne ramenait pas d'argent à la maison. Elle était prête à le quitter s'il ne trouvait pas de travail car la situation était de plus en plus invivable. Une chose qui n'est malheureusement jamais arrivée. Raphaël donnait parfois quelques concerts, mais son salaire n'était pas assez conséquent. Il était persuadé que la réussite viendrait à lui, et c'est pour cette raison qu'il n'a jamais voulu abandonner sa carrière pour aller travailler. Cela a fait l'objet de très violentes disputes au sein du couple, jusqu'à ce que l'une d'elles ne finisse par avoir des conséquences mortelles. Après avoir passé l'après-midi ensemble, tous les deux ont été filmés par les caméras de leur immeuble. Ils venaient d'avoir une dispute qui serait la dernière de toute leur vie. L'édifice où la pareja vivía registraron paso a paso lo sucedido esa trágica noche. En la 6:44 minutos, se ve ingresar a Gloria y Rafael cariñosos al ascensor, bajan y salen del condominio agarrados de la mano. Pasa más de una hora y nuevamente hacen su aparición, pero esta vez se los observa distanciados, como si hubieran discutido. Une fois chez eux, Maria a tenté d'alerter ses proches. Miguel, ayúdame. Se va a repetir. Mais lorsque son frère est arrivé sur place, il était déjà trop tard. La jeune femme avait été balancée par le balcon par son mari qui, une fois passé à l'acte, est descendu pour s'assurer que tout s'était passé comme prévu. Lorsqu'il a été arrêté par la police, le jeune homme a tenté de se dédouaner en disant que c'était elle qui avait voulu en finir avec sa vie. Todas estas acusaciones son infundadas, son falsas. Me apena mucho que se haya llegado a este punto, pero espero que la verdad salga a la luz. En nuestro departamento, mi esposa salió del departamento y cayó por el lateral del edificio en el que vivíamos y perdió la vida al caer. ¿Dónde se encontraba usted en ese momento? Adentro del departamento. Mais grâce au vocal que la jeune femme avait envoyé à son frère, mais aussi aux indices retrouvés sur place, les autorités ont très vite compris qu'il était à l'origine de l'affreux meurtre de sa femme. Raphaël doit désormais attendre sa condamnation. Mais il y a fort à parier qu'il devra passer le reste de sa vie en prison, tout ça parce qu'il n'a pas voulu changer de métier.